Salut à tous! Aujourd'hui, je vais vous faire voir comment démonter un vieux vélo. Donc, suite au dégrippage de la dernière fois, je vais vous faire voir comment démonter les pneus. Donc, vu comment ils sont fatigués, on va les couper. Donc, avec une pince coupante classique. Et donc, continuer le dégrippage. Donc je vois que le dégrippage de la dernière fois a fait son effet. La câblerie fonctionne à peu près bien. Et il y a moyen de le restaurer. Donc maintenant on découpe le pneu. Ah! Il y a un cerclage au milieu du pneu qui est super difficile à couper. On arrive au bout. Vous pouvez voir la qualité du pneu. En même temps, ça fait des années, une vingtaine d'années au moins, qu'il est entreposé dans une grange. Forcément, le pneu, il est fatigué. Il est dur comme des cailloux, c'est pas possible. On est arrivé au bout pour cette roue. Et si vous voulez, je vous offre une valve. Pour ce qui est de la chaîne, on voit que le WD-40 a fait un petit peu son effet, mais pas partout. Hein. Donc on va en remettre une dose. On voit que c'est encore pas mal grippé. Allez, c'est parti. Bon, je vous conseille quand même de mettre des gants pour faire ce genre de bricolage. Parce que, voilà, hein. Bon, maintenant, on dégrippe la chaîne avec deux pinces, hop, maillon par maillon. Bon, chaîne bientôt complètement dégrippée. Je vais essayer de trouver un démonte maillon de chaîne pour démonter la chaîne complètement et la faire baigner carrément soit dans du WD-40, soit dans l'essence pour que... que ça se dégrippe petit à petit sans que j'ai l'asperge de WD-40 au fur et à mesure de l'avancement du projet. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un gros pouce, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, si vous aimez le sport, si vous voulez d'autres vidéos, n'hésitez pas à nous le demander en commentaire et nous essaierons de faire de notre mieux. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !